Je suis Pierre Fiozal, je suis médecin au CHU. Mon investissement dans Ozon 2020, il est essentiellement dans deux commissions, la commission égalité femmes-hommes et la commission solidarité et santé, du fait de ma spécialité en tant que médecin. La ville de Poitiers n'est pas la seule à avoir ce problème, mais effectivement, à Poitiers, c'est particulièrement marqué. L'accès à la santé pour tous est loin d'être réussi, et je pense que la municipalité actuelle, l'équipe actuelle, n'a malheureusement pas mis les moyens qu'il aurait dû fallu mettre pour développer cette accessibilité à la santé. Donc, il me semble qu'il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Une proposition qui me semble importante dans le programme d'Ozon 2020, c'est notamment, au cours du mandat, de mettre en œuvre la réalisation d'une maison médicale qui serait gérée par la municipalité ou par Grand Poitiers. Tout est possible, évidemment. Pour l'instant, on est à un stade de projet. Et qui permettrait d'accueillir des spécialités pour lesquelles les délais sont très importants actuellement. Je pense à l'ophtalmologie, je pense à la gynécologie en particulier. Et il ne faut pas oublier qu'on est ville universitaire et qu'on a une faculté de médecine et de pharmacie à Poitiers, et que cette faculté, elle représente effectivement un réservoir d'étudiants potentiels et de médecins, de futurs médecins potentiels, qui ne demandent qu'à s'installer avec les difficultés qu'on connaît actuellement en médecine en France.